Antolodege shalabra delegeria subahagintos. Rabadeges entolodegeria. Palus epeli antogos ebrenta kavahagintos. Nous sommes à initiation au surnaturel. Nous sommes à initiation au surnaturel. Père, merci pour le ciel ouvert. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour l'activité angélique. Merci pour l'activité angélique. Merci pour ta gloire ce soir. Merci pour ceux qui sont connectés et pour ceux qui sont en train d'arriver. Merci pour ce qui se fait actuellement dans le monde spirituel. Là où chacun se trouve. Père, à toi pleinement la gloire. Merci de régner, Saint-Esprit. Laisse que cette gloire soit davantage amplifiée, que cette gloire s'intensifie davantage au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. My prophète, je vous aime énormément également. Je bénis Dieu pour votre vie. Je bénis Dieu pour le don que vous êtes pour le corps de Christ. Je bénis Dieu pour le don que vous êtes pour notre génération. Vous êtes vraiment un homme particulier, avec une grâce particulière, ayant une destinée particulière, à qui Dieu réserve des choses particulières et avec qui il va travailler de manière particulière, à des moments particuliers, dans des sphères particulières et à des temps particuliers et pour des personnes particulières. Et vous êtes particulier. Je vous porte dans mon cœur, my prophète. Vraiment, je prie que le Dieu de votre appel soit davantage avec vous et que le Dieu de votre appel, que le Dieu que vos pères ont servi avant vous et continue à servir soit davantage avec vous et marche avec vous. Que à l'aube de cette nouvelle saison et à l'entrée même de cette saison, que le Dieu de gloire, conformément au désir de votre cœur, my prophète, se révèle à vous davantage dans une dimension nouvelle et dans une dimension vraiment, vraiment supérieure. Cela est le désir de mon cœur à votre endroit et je prie que cela soit le partage de tous ceux qui nous suivent actuellement. Je bénis Dieu pour ce programme. Je bénis Dieu de ce qu'il permet que je sois encore là, reconduit à cette troisième phase de ce grand programme dénommé Impact, où nous voulons parler sur initiation au surnaturel. Initiation au surnaturel. Je bénis Dieu pour le prophète Azaph qui a intervenu le premier jour, qui nous a dit des choses extraordinaires. Je suis arrivé un peu en retard à cause de certaines occupations. Je n'ai même pas pu être régulier lors des interventions du prophète Azara avant. Et pour ce que j'ai eu à écouter, je me suis dit « Waouh, my God ». Je crois que dans notre génération, Dieu est en train d'élever des jeunes avec une profondeur bizarre. Des jeunes, quand je parle de jeunes, je parle de jeunes en termes d'aspect. Quand on regarde le visage, quand on regarde l'aspect, quand on regarde à l'âge physique, on dit que c'est quelqu'un de jeune. Mais quand tu tâtes et tu regardes sur le plan spirituel, tu peux réaliser combien de fois la personne est haute en esprit et combien la personne est vieille en esprit. Et je bénis Dieu pour la vie de cet homme de Dieu, pour le service qu'il a eu à faire. Il nous a parlé sur le surnaturel, il était sur Genèse 1. C'était vraiment super, un livre que j'aime beaucoup. Genèse 1, un chapitre que j'aime beaucoup. Et nous voulons poursuivre aujourd'hui. Je bénis Dieu pour la présence de vous tous qui êtes là. Je bénis Dieu pour la présence des serviteurs de Dieu qui sont également connectés. J'ai cru apercevoir l'amiral de Dieu. Je crois que quand je me suis connecté, je l'ai aperçu. Je ne sais pas s'il est toujours là. Homme de Dieu, recevez le shalom là où vous êtes là-bas. Une salutation particulière à vous. Et shalom particulier à toutes les servantes et à tous les serviteurs de Dieu
Docteur Baïcha, homme de Dieu, Paul Emmanuel, et tous les serviteurs de Dieu qui sont là, un shalom particulier au nom suprême de Jésus. Alors ce soir, nous voulons poursuivre sur initiation au surnaturel. Initiation au surnaturel. J'aimerais, comme ça, d'entrée de jeu, my prophète, c'est vrai que votre connexion déconne, je prie le Dieu du ciel que cette connexion se stabilise. J'ai besoin que vous m'accompagniez, s'il vous plaît. J'aime prêcher avec vous. J'aime quand vous m'accompagnez dans la lecture. My prophète. J'aimerais qu'on lise commençons par Genèse, Genèse chapitre 9, le verset 1. Genèse chapitre 9, verset 1 à 2. Genèse chapitre 9, verset 1 à 2. Je ne reviendrai pas sur les Genèse 1, Genèse 2. Bah, le Seigneur ne m'a pas mis à cœur de parler dessus. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager autre chose avec nous. Genèse chapitre 9, verset 1 à 2. Verset 1 à 2, my prophète. La Bible déclare, Dieu dit, Noé et ses fils. Oui. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre. Pour tout oiseau vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre. Oui, my prophet. Pour tout oiseau du ciel. Pour tous ceux qui se meurent sur la terre. Oui. Et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Amen. Amen, J'aime beaucoup ce texte. Il dit, le verset 2, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meurent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Oh yes, my God. My prophet, est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? On va lire comme ça un ensemble de textes et puis nous allons juste couler. Nous voulons lire encore avec votre permission, my prophet. Nous voulons lire 1 Corinthiens, Romains d'abord, Romains chapitre 8, versets 19 à 21. Romains chapitre 8, 19 à 21. Oui. S'il vous plaît. 19 à 21. La Bible dit, je lis dans une autre version, « La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. » La création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien. Non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mis. Il y a toutefois une espérance. Verset 21. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. Amen. My prophet, je lis dans ma version ici le même texte, il est dit une profonde nostalgie étreint toute la création. Elle attend avec un ardent désir la révélation de la gloire des fils de Dieu. Toutes les créatures aspirent à l'événement de ce jour où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Car jusqu'à ce jour, la création, livrée au pouvoir du néant, tourne à vide. Tout dépérit et meurt. Elle n'est pour rien dans cet état de choses, contre son gré, sans aucune faute de sa part, mais par solidarité avec celui qui a failli, my God. La création fait preuve de solidarité envers Adam, celui qui a failli. Par solidarité envers celui qui a failli, elle vit une existence sans but, my God. Elle garde néanmoins un espoir. Elle aussi sera délivrée un jour de son asservissement aux puissances de mort. La tyrannie des perpétuels changements
et les décadences inéluctables cesseront. Elle connaîtra la liberté dont les enfants de Dieu glorifiés jouiront. Amen. Amen. My prophet, si on peut aller aussi juste lire 1 Corinthiens 12, 1. Ok. 1 Corinthiens 12, verset 1. 12, 1. Mm-hmm. Là, c'est sûr qu'il y en a qui se posent la question. Ils sont déjà en train de chercher à voir où nous sommes en train d'aller. Tous les versets-là, ça fait dire quoi? Ils nous amènent où? Où est-ce qu'on part? J'aimerais dire à quelqu'un, on part quelque part. Dis à ton voisin, on part quelque part. On part quelque part. My prophet, allons-y, s'il vous plaît. Verset 1, la Bible dit. Oui. Parlons maintenant des dons du Saint-Esprit. Frère, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous étiez entraîné irrésistiblement vers les idoles muettes. Prophète, je veux juste le verset 1, s'il vous plaît. Juste le verset 1. Verset 1, je reprends. Oui. Parlons maintenant des dons du Saint-Esprit, frère. Yes. Je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Amen. Amen. Oh yes, j'aime beaucoup cela. Les secondes dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. La version, notre version que j'ai ici dit, pourtant sur la question des manifestations de l'esprit, j'aimerais, frère, que vous soyez bien au clair, afin qu'il ne reste pas de fausses notions. J'aimerais que vous soyez bien au clair, afin qu'il ne reste pas de fausses notions. Nous sommes en train d'aller quelque part. En fait, nous voulons finir la lecture avec Hébreux chapitre 11, le verset 1. Waouh, j'aime la manière dont ces versets sont embrouillés et on a l'impression qu'ils parlent tous des choses embrouillées et séparées, tellement distantes les unes des autres. Mais je crois que nous sommes en train d'aller quelque part. Oui, my prophet. Mettre sa foi en Dieu. Ah, j'aime cette version. C'est être sûr de ce que l'on espère. Yes. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Amen. Yes. Amen. Wow. Louis II nous dit, or la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La version que j'ai ici dit, et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Je reprends, croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Croire, c'est être absolument certain des réalités de ce qu'on ne voit pas, de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Nous sommes à initiation surnaturelle. Merci, my prophète, pour la lecture. Nous sommes à initiation au surnaturel. My prophète, j'avoue que c'est un sujet personnellement qui me fait beaucoup de bien et qui est tellement terrible et bizarre. My prophet, je ne sais pas si durant vos lectures, vous avez déjà croisé ne fût-ce qu'une fois le terme surnaturel dans la Bible. Non. Personnellement, je ne l'ai jamais croisé. Je n'ai même jamais entendu parler dans la Bible du mot surnaturel. Du mot surnaturel dans la Bible. Ah. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire que là, nous sommes déjà dans l'hérésie. Initiation au surnaturel. C'est quand même assez choquant, quelque chose de très intéressant. Et souvent, nous parlons du surnaturel divin, du surnaturel de Dieu. Et on y va, on se dit, assurément, il y a des mots qui s'apparentent au mot surnaturel. J'aimerais, comme à mon habitude, commencer par une introduction définitionnelle
j'aimerais que nous nous entendions, que nous nous accordions sur la définition des différents concepts. J'essaierai d'être un peu plus rapide et concis, d'être un peu plus précis et concis pour ne pas trop tirer. Nous sommes à initiation surnaturelle. Déjà, quand on parle de l'initiation, l'initiation, le dictionnaire nous définit l'initiation comme l'action de révéler ou de recevoir la connaissance de certaines pratiques. L'initiation est l'action de révéler ou de recevoir la connaissance de certaines pratiques. Donc déjà, à la notion d'initiation est rattachée la notion de révélation. À la notion d'initiation est rattachée la notion de connaissance. Comment? Je veux qu'on soit vraiment ensemble. À la notion d'initiation est rattachée la notion de révélation. C'est rattaché à la notion de réception et c'est rattaché à la notion de connaissance. Donc l'initiation, c'est l'action de révéler ou de recevoir la connaissance de certaines pratiques. Par exemple, quand on parle de l'initiation à la peinture, de l'initiation à l'art et à toutes ces choses, on vous révèle des secrets, on vous donne des connaissances relatives à certaines pratiques, relatives à certaines choses. Quand on parle encore de l'initiation, l'initiation, c'est l'action de donner les premiers rudiments d'une discipline. C'est l'action de donner les premiers rudiments d'une discipline. J'espère que nous sommes ensemble. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, à initiation surnaturelle, l'initiation dont nous parlons ici et dont nous nous permettons de parler et même de mettre en affiche initiation. Ici, nous sommes en train de te dire, quand on te parle de l'initiation au surnaturel, nous sommes en train de te dire que nous allons t'exposer à une connaissance relatif à certaines pratiques. Même quand on parle de l'initiation, généralement, quand on parle d'initiation, c'est un terme qui est réservé à des groupes de personnes qui ont en commun certains secrets. My prophète, lorsque nous lisons 1 Corinthiens 14, 2, on dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. » En grec, « mysterion », qui veut dire vérité cachée, qui veut dire secret divin, qui renvoie à beaucoup de choses en rapport avec les secrets. Et de ce mot a été tiré le mot must, qui veut dire initié. Donc, les mystères, c'est un ensemble de connaissances réservées aux must. Et les must, ce sont des initiés. En fait, j'aimerais rappeler à quelqu'un que tu es à une réunion d'initiation ici. Une réunion au cours de laquelle nous partageons des secrets assurément cachés, au cours de laquelle nous partageons des secrets, certainement que nous connaissons, dont nous n'avons peut-être pas conscience. Nous révélerons des choses et nous partagerons des choses et des connaissances relatives à certaines pratiques. Nous donnerons aux gens des rudiments nécessaires, les premiers rudiments de la discipline appelée le surnaturel. Vous avez entendu parler de l'initiation à l'informatique. Vous avez entendu parler de l'initiation à la philosophie. Aujourd'hui, nous parlons de l'initiation au surnaturel. Nous parlons de l'initiation au surnaturel. En fait, quand l'apôtre Paul, prophète Asaph, parle dans 1 Corinthiens 12, il dit, en ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il dit, je ne veux pas que vous ayez des fausses notions. En fait, il vient faire comme un cours d'initiation à la spiritualité. Parce qu'en réalité, le mot traduit par don spirituel, en vrai, ne veut pas dire don spirituel. J'aimerais qu'on soit d'accord là-dessus. Pour aller faire des recherches. Le mot pour don spirituel, en ce qui concerne les dons spirituels, c'est le mot pneumatikos. Le mot pneumatikos ne veut pas dire don spirituel. Le mot pneumatikos veut dire spirituel. D'autres disent aussi que ça veut dire surnaturel. Ça veut dire miraculeux. Donc, en fait, dans 1 Corinthiens 12,
l'apôtre Paul vient faire l'initiation au surnaturel en ce qui concerne les Corinthiens. L'initiation au surnaturel ne veut pas dire que tu ne vis pas le surnaturel. L'initiation au surnaturel, l'initiation, c'est l'acte par lequel on te transmet des connaissances et des vérités qui te sont assurément cachées. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Voilà pourquoi je viens vous parler du sujet en rapport avec le spirituel, en rapport avec le miraculeux, en rapport avec le surnaturel, en rapport avec les dons spirituels. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et que nous ferons durant tout ce mois de décembre. Nous serons en train de communiquer des connaissances qui permettront à quelqu'un de bannir de son esprit les ténèbres de l'ignorance, afin que la lumière et le niveau de rayonnement de son esprit deviennent beaucoup plus importants et gagnent du terrain et gagnent en autorité dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment? Nous sommes dans l'initiation au surnaturel. Et lorsque nous parlons de l'initiation, l'initiation, c'est une cérémonie qui fait accéder un individu à un nouveau groupe d'appartenance. Oh my God! Défini par le partage d'un savoir commun. Ratali eplo de liasu palidekai. L'initiation, c'est la cérémonie qui fait accéder un individu à un nouveau groupe d'appartenance défini par le partage d'un savoir commun. J'aime quand Samuel va rencontrer Saül. Lorsqu'il va parler, il dit, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras une troupe de prophètes qui sera précédée de... Il va commencer par donner des détails. En fait, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que durant ce programme-là, tu seras shifté d'une catégorie d'esprit à une autre. Tu seras shifté d'une catégorie dans le monde spirituel à une autre au nom suprême de Jésus. Parce que l'initiation, c'est une cérémonie qui permet à un individu d'accéder à un nouveau groupe d'appartenance. Je prie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que durant ce programme, que Dieu te fasse monter d'un cran, que tu montes d'une classe à une autre au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que tu ailles d'une gloire à une autre gloire. In the mighty name of Jesus. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, tu assistes à une cérémonie d'intronisation. Tu assistes à une cérémonie d'intronisation dont le président, c'est Jésus avec son esprit. Je me permets de dire le président, pourtant je cite deux. Et comme pour vice-président, le prophète Asaph Molili Lendoy. Par qui Dieu a initié ce programme. Michael. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis le début de ce programme, tu es en train d'assister à une cérémonie d'initiation où ton esprit passe d'une dimension, d'une catégorie d'esprit à une autre, où tu passes d'un groupe spirituel à un autre. Saül était une personne lambda, mais quand il est parti et il est arrivé dans la garnison des prophètes, il y a eu d'autres manifestations qui ont commencé à voir dans la vie de Saül, de sorte que l'on a même pu voir Saül prophétiser, de sorte qu'on ait cet adage qui dit « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Parce qu'il est arrivé dans un groupe et il est arrivé à un autre groupe d'appartenance. C'était un groupe prophétique. Alors que tu es à initiation au surnaturel, que tu rencontres maintenant le groupe constitué par les esprits des prophètes au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu shift ton esprit dans une autre dimension au nom de Jésus, dans une autre appartenance, de manière à ce que tu vives la réalité de cette appartenance et les secrets qui y sont rattachés au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh yes. Prophète Asaph, on parle de l'initiation au surnaturel. Je me permets de beaucoup enseigner parce que quand le Seigneur m'a parlé par rapport à ma participation à ce programme, il m'a beaucoup plus parlé de venir enseigner. Voilà pourquoi vous allez remarquer que j'enseigne plus que toute autre chose. Initiation au surnaturel. Et quand on parle de l'initiation au surnaturel, nous sommes au surnaturel. Prophète Asaph, je me suis toujours posé la question sur le mot surnaturel.
je me suis toujours posé la question sur le mot surnaturel. Je me suis dit, il y a des mots et il y a des termes que le français ne sait pas définir. Et prophète Azab, je vais vous avouer quelque chose. Je ne sais pas définir le surnaturel. J'avoue devant tout le monde, je ne sais pas définir le surnaturel. Voyez-vous, quand on nous parle de surnaturel, quand l'on part regarder dans par exemple, l'étymologie hébraïque, quand vous allez taper surnaturel, on va vous montrer Esh. Esh qui veut dire feu divin. Et lorsque vous partez regarder le dictionnaire, quand on parle de surnaturel, surnaturel, on nous dit c'est qui est au-dessus des possibilités de la nature. Quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose qui est au-dessus des possibilités de la nature, qui est au-dessus de ce que la nature peut faire. On dit que le surnaturel, c'est ce que l'on ne peut expliquer à partir des lois de la nature. C'est ce qui est contraire à la raison. My God. C'est ce qui est contraire à la raison. En fait, Azaf, on ne sait pas donner des définitions claires du surnaturel. Ce qu'on sait, c'est que c'est quelque chose qui est au-dessus des possibilités de la nature. C'est quelque chose que l'on ne peut expliquer à partir des lois de la nature. C'est quelque chose qui est contraire à la raison. Quand on parle de surnaturel, on dit que le surnaturel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Donc, qui va au-delà de l'ordinaire. Et on dit encore que le surnaturel, c'est ce qui ne relève pas de l'ordre naturel des choses. Ce qui ne relève pas de l'ordre naturel des autres. Merci Zoé, loin de la logique. Ce qui est loin de la logique. Ce qui est loin de la logique. Et on se rend compte que surnaturel est composé. On a sur et on a naturel. On a sur et on a naturel. Et prophète Azaf, avant d'aller plus loin, j'aimerais m'arrêter et je me suis posé la question. En fait, on dit surnaturel. 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 Ce qui va au-delà de l'ordinaire. Qu'est-ce que l'on appelle ordinaire? Et donc, je me suis dit, bon, je vais étudier sur et naturel. Quand je suis allé regarder sur, sur, on dit sur indique une position plus élevée. Bien. Donc, quand on parle de surnaturel, c'est ce qui a une position plus élevée que le naturel. Yes. Donc déjà, l'action de surnaturel renvoie à une notion de position. J'aimerais que quelqu'un me suive très bien. La notion de surnaturel renvoie à une notion de position également, parmi tous les autres sens qu'on peut trouver. C'est une position, ça indique la position plus élevé que le naturel. Une position plus élevée que le naturel. Ça indique une supériorité. Ça indique une supériorité. En fait, à chaque fois qu'on a toujours parlé de surnaturel, prophète Azaf, jusqu'à un moment donné de ma vie, je pensais directement à manifestation. Mais je me suis rendu compte plus tard que le surnaturel renvoie aussi à une position. Et quand on dit, il y a eu la manifestation du surnaturel, en fait, à chaque fois qu'on disait, oh non, Seigneur, nous voulons vivre le surnaturel, il y a souvent ce chant qui dit, as-tu des lieux avec l'atmosphère du ciel? Nous voulons voir le surnaturel, nous voulons voir Jésus, Jésus, Jésus. On dit, nous voulons voir le surnaturel. Et je me suis rendu compte que parmi toutes les définitions de surnaturel, le surnaturel indique une position qui est plus élevée que la position naturelle. Ça indique une notion de supériorité également. Et je me suis dit, prophète Azaf, c'est quoi le naturel? C'est quoi le naturel? Pro tagla suve egeria. Ali giamande prede gesiato jalagahados.
qu'est-ce que le naturel? Et là, quand je suis allé regarder les définitions en rapport avec le naturel, my prophet, on me dit que le naturel, c'est ce qui est relatif à la nature, à l'ensemble des êtres et des choses, à l'ordre qui les régit. Le naturel, c'est ce qui est relatif à la nature, qui est relatif à la nature, à l'ensemble des êtres. J'aimerais qu'on s'accroche vraiment dessus. Qui est relatif à l'ensemble des êtres et des choses, à l'ordre qui les régit. J'espère qu'on est ensemble. Oh, prophète, yes. Quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est relatif à la nature. Qui est relatif à l'ensemble des êtres et des choses. Qui est relatif aussi à l'ordre qui régit ces choses-là et ces êtres. Ok, je vois, on est ensemble, d'accord. Je veux vraiment que ces choses entrent. Parce qu'après ici, après initiation surnaturelle, 2022 sera une année terrible parce que nous entrons avec une portion du surnaturel de façon terrible. Que Dieu aura ta ablo reski vahaginta eli predeli asu vahagintosh. Nous affecte davantage de cette dimension de surnaturel et nous shift davantage dans cet axe de surnaturel au nom de Jésus. Lorsque on parle de naturel, c'est ce qui est conforme aux lois de la nature par opposition à surnaturel. On dit ce qui est naturel, c'est ce qui est conforme aux lois de la nature par opposition à surnaturel. Prophète Azaf, je suis même allé jusqu'à me poser la question. Qui a établi la notion de naturel? Et qui a établi la notion de surnaturel? Est-ce que sur base de ces définitions, nous pouvons vraiment savoir ce qui est naturel et ce qui est surnaturel? Lorsque nous lisons la Bible nous parle des choses visibles et des choses invisibles. On nous parle des choses célestes et des choses terrestres. Vraiment bizarre. Je pense dans l'Épître aux Corinthiens, on parle de l'homme naturel. Ce qui est naturel, ce qui est conforme aux lois de la nature, par opposition au surnaturel. Et prophète Azaf, my prophet, yeah. Je me suis posé la question, c'est quoi le naturel alors? Parce que lorsque je prends ma Bible et que je vais dans le texte de Genèse chapitre 9. Parce que nous sommes, et nous le savons tous ici, nous sommes descendants d'Adam par Noé. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Nous sommes descendants d'Adam par Noé. Et donc les bénédictions rattachées à Noé sont rattachées également à nous. On est ensemble? Yes. Lorsqu'ils sortent de l'arche, Dieu les bénit et Dieu leur dit, voilà ce qui sera votre partage. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tous les animaux de la terre. Prophète Azaf, quelqu'un me dira qu'il est normal qu'un serpent t'est mort. Il est normal que le lion te mange parce que c'est une bête sauvage. Prophète Azaf, est-ce que vous êtes avec moi? Come on, prophet, I'm there. Quelqu'un me dira qu'il est normal que le lion te mange parce que c'est une bête sauvage. Il est normal que le léopard t'attaque si tu pars dans sa sphère et toutes ces choses-là. Il est normal qu'il t'attaque parce que c'est sa sphère et c'est un animal sauvage. Mais ce texte me dit que c'est contre nature. Parce que ce texte me dit qu'ils doivent nous craindre et ils doivent être... Nous devons être pour eux un sujet d'effroi. Quand on parle d'être un sujet d'effroi, c'est-à-dire quand la personne pour qui tu es un sujet d'effroi, ou quand l'être pour qui tu es un sujet d'effroi te voit, l'être en question est tétanisé. L'être en question peut même tout faire sur place. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Mm-hmm.
Parce que aujourd'hui, on a comme une autre notion maintenant du naturel. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas le naturel originel. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, que nous appelons naturel, n'est pas forcément, n'est pas toujours le naturel. Et parfois, ce que nous appelons surnaturel, c'est ce qui est véritablement l'ordre naturel. Si un homme de Dieu, lorsque nous parlions même de l'apôtre Aïdine Nabala, qui lorsqu'il est parti en retraite avec ses disciples, il est parti pour prendre de l'eau, il a croisé un lion. Et le lion l'a porté, donc l'a mis sur lui, et l'a emmené jusqu'où il pouvait trouver de l'eau. Il a puisé de l'eau, et le lion l'a ramené jusqu'où il était avec ses disciples. Et quand ses disciples ont vu le lion, ils ont commencé à fuir. Quelqu'un dira que ça, c'est surnaturel. Et moi, je dirai à quelqu'un, ceci est naturel. Je ne sais pas si quelqu'un essaie de me suivre. C'est le naturel originel. J'ai envie de dire à quelqu'un que c'est contre nature qu'un serpent attaque. Il y a eu, oh non, tel, il est mort par morsure de serpent. C'est quelque chose de contre nature. C'est quelque chose de contre nature. C'est quelque chose de contre nature. Où le chien te voit, on parle même de chien méchant. Quel chien méchant? Il peut être méchant comme il peut être méchant. C'est contre nature, quelle que soit l'éducation qu'on donne à cet animal. C'est contre nature qu'un chien attaque et te mord. C'est contre nature. Là, je suis sur la notion du naturel et du surnaturel. Prokata lavade. Je veux que nous comprenions davantage ces choses. Alors, j'aime ce que le docteur Baïch a écrit, il dit le surnaturel est le naturel originel. Il y a des choses que nous avons taxées de surnaturel qui sont en réalité le naturel dans lequel nous sommes censés vivre depuis. Ils sont censés être le naturel de l'homme. Ici, je ne parle pas du naturel de Dieu. Il y a ce chant qui dit « Le surnaturel est le naturel de Dieu ». Assurément, je le crois aussi. Je crois même que ce que nous définissons comme surnaturel est peut-être même moins que le naturel de Dieu. C'est certainement le naturel des hommes. « Rekla suvaginta » Parce que ce que nous appelons parfois aujourd'hui surnaturel, c'est le naturel, my prophet. Le naturel, c'est ce qui est conforme aux lois de la nature, par opposition à surnaturel. Et du coup, on se pose la question de savoir c'est quoi alors la nature. Puisque c'est ce qui est relatif à la nature. Ce qui est relatif à l'ensemble des êtres et des choses et à l'ordre qui les régit. D'autre, parce qu'on a associé à la notion de naturel la notion de physique. On a dit ce qui est naturel, c'est ce qui est physique. Beaucoup ont déjà assimilé comme ça que ce qui est naturel, c'est ce qui est physique. Torah, Kabla, Debren, Degeria, Suba. Et voilà pourquoi nous avons eu à lire ce livre, cette portion d'écriture dans le livre de Romains, qui nous dit que la création a été soumise à la vanité. J'ai envie de dire la nature a été soumise à la vanité. Quand on parle de la nature, on dit la nature, c'est l'ensemble des êtres et des choses. C'est le monde, c'est l'univers. C'est l'ensemble en tant qu'ordonné, c'est-à-dire c'est cet ensemble ordonné et régi par des lois. Quand on parle de régie, c'est qui vient du verbe régir, qui veut dire gouverner, qui veut dire diriger, qui veut dire conduire. J'aimerais que quelqu'un me suive très bien.
J'aimerais que quelqu'un me suive très, très attentivement. Peut-être que je choque la théologie de quelqu'un. Ben vraiment, pardonne-moi si je te choque. Mais c'est ce en quoi je crois et c'est ce que je comprends lorsque je lis ma Bible. Elinto obre de guerrias qui va hado. Radeligiatoj alaman de guerrias qui va hagintoj. Et nous allons très bien comprendre ces choses. On dit la nature, c'est l'ensemble des êtres et des choses, le monde, l'univers, c'est l'ensemble en tant qu'ordonné et régi par des lois. On dit c'est l'ensemble des êtres et des choses. Je me suis intéressé, quand on parle des êtres, qu'est-ce qu'un être? On dit un être, c'est tout ce qui vit, et spécialement un individu d'une espèce animale. Un être, c'est une créature. Quand on parle d'un être, on parle d'un organisme vivant, d'une créature vivante. Lorsqu'on parle d'un être, quand on parle de l'être, on parle de la nature profonde de quelqu'un. En fait, quand on dit la nature, c'est l'ensemble des êtres, on est en train de dire que la nature, c'est l'ensemble des créatures vivantes et des choses. C'est le monde, l'univers et les lois qui régissent ces créatures-là. Vous voyez, on dit la création a été soumise à la vanité. Ce qu'on peut dire autrement par la nature a été soumise à la vanité, par celui qui l'y a soumise. Un être est un organisme. Une créature vivante. Je m'en vais très rapidement décliner le sous-thème que je veux donner en quelques minutes comme ça, et puis nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que nous retenons de cette introduction? Que nous sommes à l'initiation, nous sommes venus recevoir des connaissances secrètes, des connaissances cachées en rapport avec des pratiques. Quand on parle de l'initiation, nous sommes venus recevoir des connaissances en rapport avec le surnaturel. Nous sommes venus recevoir des connaissances en rapport avec cette position qui est élevée au surnaturel, qui est élevée par rapport au naturel. Et nous avons dit que le naturel, c'est ce qui appartient à la nature. À la nature, à l'ensemble des êtres, des choses, au monde, à l'univers. Roliga plai d'église subahagintosh. Des libras, des legeria et des lois qui y sont rattachées. Et on parle même d'autres, quand on parle de surnaturel, on parle des actions qui vont au-delà des lois naturelles, des lois qui sont établies. Rekle soble de geria pun talagabahagintosh. Rabasu pelidegai. Ainsi, j'aimerais ce soir que nous parlions sur la conscience de son environnement. Initiation surnaturelle, 2 points, la conscience de son environnement. Comment? La conscience de son environnement. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la conscience de son environnement? La conscience de son environnement. Nous sommes venus pour être initiés au surnaturel. Mais j'aimerais emmener quelqu'un à comprendre autrement le naturel pour que lorsque nous serions en train de parler du surnaturel, nous allons davantage comprendre la profondeur et le poids de ce que c'est que le surnaturel. La conscience de son environnement. La conscience de son environnement. Merci Aïcha Christ, la conscience de son environnement. Rekle edin talabre de guerrias kiva hagintosh. Elu rekle sin takabahadus. Lorsqu'on parle de conscience, la conscience est une connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. La conscience est la représentation mentale claire de l'existence, de la réalité de telle ou telle chose. C'est beaucoup plus dans cette deuxième définition que nous allons couler. La conscience comme étant la représentation mentale claire de l'existence, de la réalité de telle ou telle chose. Et le mot conscience,
de son étymologie latine conscientia, qu'on peut diviser en deux, con et scientia, con qui veut dire avec, qui veut dire à l'intérieur de ou au-dedans, et on a scientia qui veut dire science, qui veut dire connaissance. Donc la conscience, c'est être, c'est, veut comme vouloir dire littéralement avec connaissance. La conscience veut être dire, veut également dire, pardon, être à l'intérieur de la connaissance. La conscience veut également dire alors être dans la connaissance. Tande kerato unta kamande givosh e peligra su paligla telemeria tova kalege ragado su predegeria. Donc lorsque nous parlons de la conscience de son environnement, c'est agir, vivre, exister dans la connaissance de l'environnement qui nous entoure, dans l'appréhension de l'environnement, de notre environnement. Nous sommes dans l'initiation surnaturelle. Je suis en train de parler à des personnes qui sont venues pour être davantage aiguisées dans le surnaturel et d'autres qui sont venues pour être initiées dans le surnaturel. L'initiation au surnaturel. Être à l'intérieur. Et aussi la conscience, c'est la faculté qui pousse à porter un jugement de valeur sur ses propres actes ou sur une chose et une autre. De tout ce que je serai en train de dire, la phrase que je veux que tu retiennes, qui résume ce message sur la conscience de son environnement, c'est que l'homme est une entité qui évolue sur une entité entourée des entités. Comment? Yeah, like. Je répète, l'homme est une entité qui évolue sur une entité et qui est entourée des entités. Pragasu predeke ento fahaginka. Parce que l'environnement, c'est ce qui nous entoure. L'un des synonymes de l'environnement, c'est la nature. Yes, merci Claude Alima. L'homme est une entité qui évolue sur une entité entourée d'entités. J'ai même envie de dire l'homme est une entité qui évolue sur et à travers des entités, qui évolue sur une entité et à travers une entité et qui est entouré d'entités. Torekle su paligimande gle su bahagintosh. Ou si tu veux, je peux te dire l'homme est un être qui évolue sur et au travers des êtres, entouré d'un être. Regardez les occultistes, ils ont une loi. J'ai oublié comment ils appellent ça. Il y a ce qu'ils appellent les sept lois du Kybalion. J'ai vu un truc comme ça en passant. La première loi, ça a un nom là, j'ai oublié, mais qui dit que l'homme vit dans un tout vivant et toutes ces choses-là. J'ai oublié déjà que ça ne m'intéresse pas vraiment. En fait, ils n'ont pas tort quelque part. Ils disent l'homme vit dans un grand organisme vivant à l'intérieur duquel il est un petit organisme vivant et toutes ces choses. En fait, l'homme est un être vivant. L'homme est un être qui évolue sur des êtres, entouré des êtres. Lorsque nous nous réveillons et lorsque nous marchons, prophète Azaf, quand on parle de construire des maisons, c'est sur la terre qu'on va construire. Yeah. C'est sur la terre qu'on va construire. En fait, on a généralement tendance à voir la terre juste comme ce que nous voyons, ce que nous touchons, cet élément solide sur lequel nous marchons. Nous sommes d'accord ensemble que la terre est naturelle. Quelqu'un me dira derrière les réalités de la terre, il y a des réalités invisibles, d'accord. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même ces réalités invisibles rattachées à la terre sont des réalités naturelles. En fait, la terre est un être. La terre est une entité. La terre sur laquelle nous marchons tous les jours là. La terre sur laquelle nous construisons nos maisons,
la terre sur laquelle l'herbe pousse, la terre sur laquelle nous construisons des routes et nous faisons tout ce que nous faisons, est une entité vivante. Parfois, pour vivre le surnaturel que nous voulons vivre, pour vivre ce que nous appelons le surnaturel, nous devons être arrivés à un niveau de connaissance. Nous devons être arrivés à un niveau de conscience. La terre sur laquelle tu marches est une entité vivante. Comment? Lorsque tu te réveilles le matin, mon ami, quand tu positionnes ton pied, tu marches et tout ça, tu marches sur une entité vivante, présente avec tout ce qu'elle a comme spirituel, mais demeurant une entité naturelle, parce que c'est relatif à l'ensemble des êtres. C'est relatif à l'ensemble des êtres qui constituent l'univers. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Cette terre sur laquelle tu marches là est une entité qui entend. Nous avons entendu tellement déjà d'enseignements sur la terre, du coup, je ne vais même pas trop m'attarder dessus. La terre est une entité qui entend. D'autres se contentent juste de se lever et de marcher dessus et de construire. Regardez, la terre est une entité. Les marabouts le savent. Voilà pourquoi parfois quand quelqu'un va consulter un marabout, il prend des cailloux comme ça, il bouscule et puis il jette ça au sol. En fait, il interroge la terre. Et il récolte les informations que cette entité appelée la terre possède. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas être dissocié de ce que tu appelles le surnaturel. Le surnaturel est l'environnement constant dans lequel tu vis. En fait, le naturel qu'on nous a toujours dit, selon moi, n'est qu'une conception. Même quand on nous parle de la terre, essayez un peu de vous représenter ça. On nous parle d'une terre qui évolue dans un grand vide. Nous parlons beaucoup de surnaturel. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait que tu parles à la terre n'est pas surnaturel. C'est quelque chose de naturel. Ça fait partie des lois établies, des lois naturelles établies par le Créateur. La terre peut entendre. Le premier à parler, c'est Dieu qui dit que la terre produise la verdure, que la terre produise. Et j'aime le verset qui suit. Le verset qui suit dit « Et puis la terre produisit ». Parce que la terre est une entité naturelle, j'ai envie de dire ça à quelqu'un. La terre est une entité naturelle qui peut entendre, à qui on peut donner des instructions. Dans ton environnement, il y a la terre. Cette terre-là est une entité naturelle. Mais pas naturelle comme toi tu penses, sur laquelle on doit juste construire. Sur la terre, on doit juste... sur laquelle on doit juste marcher, sur laquelle on doit juste planter. Non, avec cette terre, on peut aussi communiquer. On peut communiquer à cette terre des instructions. Et cela n'a rien de surnaturel. Ça relève du naturel. Dobre siva gande gletos. Peli bra itali yasu pali de gentos kama. Heria ize gentos. Ça ne demande pas une certaine position spirituelle pour parler à la terre. C'est quelque chose de naturel. J'espère que quelqu'un m'écoute très bien. Yeah. Et vous pouvez le voir dans Genèse 1, 10 à 12. Quand Dieu parle à la terre et la terre exécute les instructions que l'Éternel lui donne. Comme vous lisez même dans Jérémie chapitre 6, verset 19, il est dit « Terre, écoute la parole de l'Éternel » parce que la terre peut également entendre. La terre est une entité naturelle. Dans ton environnement,
il y a cette entité naturelle. En fait, quand on parle de l'initiation surnaturelle, prophète Azab, j'ai envie de dire retour au naturel originel. Retour au naturel originel. Et prophète Azab, je le dis devant tout le monde, et j'assume mes propos, vous êtes un homme illuminé. C'est ce dans quoi même les scientifiques et tout cela veulent retourner, mais au moyen de la science. Parce que maintenant, sur le naturel que nous vivons, il y a eu une touche maintenant qu'on peut appeler surnaturelle, qui est venue pour assujettir et corrompre ce naturel-là. Voilà pourquoi. Et cette force qui agit, cette force de vanité, nous donne l'impression que ce que nous voyons et que nous appelons naturel est ça qui est que c'est cela le véritable naturel, alors que non. Et nous fait croire que le véritable naturel, c'est ce que nous appelons maintenant surnaturel. Et puisque nous appelons ça surnaturel, nous le voyons au-delà de nos forces. Or, il me semble que ce n'est pas le cas. L'environnement dans lequel tu évolues, la conscience et conscience, si tu veux commencer à vivre des choses bizarres que tu vas appeler surnaturel alors que c'est le naturel, commence par prendre conscience de ton environnement. Je me rappelle, je ne sais pas, un homme de Dieu, voilà, avait enseigné quelque part sur la terre. Et quelqu'un m'avait dit, je le pense, je pense bien, oui, si j'ai bonne mémoire. Quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, j'ai vu la bouche de la terre. Quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, j'ai vu la bouche de la terre. J'ai dit, my God, c'est biblique. C'est des choses auxquelles nous n'avons pas accès. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas voir et vivre parce qu'on n'a pas la connaissance. Donc, la lumière qui dissipe les ténèbres, qui nous empêche de voir ces choses. Je veux vraiment que nous comprenions ces choses. Il est possible que tu vois la bouche de la terre. Regardez lorsque nous sommes dans le livre de Nombres, lorsqu'il y a la rébellion, les fils de Corée. On dit, la terre ouvrit sa bouche et engloutit tout cela de manière vive. Et les fils d'Israël, le peuple d'Israël a vu comment ça s'est ouvert, bouf, et ça les a englobés. Retour au naturel originel, la conscience de son environnement. La terre même, là, cet élément de ton environnement, la terre a la capacité d'agir. Prophète Azab, est-ce que je peux lire avec vous, s'il vous plaît? Prenons d'abord, la terre a une bouche. Genèse 4, 11, nous n'allons pas lire ça. Ou quand Dieu va reprendre Caïn, parce qu'il a eu à tuer son frère Abel, il va lui dire, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de toi le sang de ton frère. Pour recevoir le sang de ton frère. Et la terre, rassurons-nous, ce n'est pas un message sur la terre. Je suis juste en train de donner quelques éléments comme ça sur cet élément de ton environnement. Lorsque tu vas sortir demain de ta maison, quand tu vas voir la terre, que tu regardes ça autrement, que tu regardes ça comme une entité avec laquelle tu peux dealer pour opérer. Une entité que tu peux faire travailler pour toi. Parce qu'elle peut recevoir des instructions et les exécuter. Prophète Azaph, est-ce que je peux lire avec vous, s'il vous plaît, Apocalypse 12, 16. J'ai envie de dire à quelqu'un, la terre aussi peut agir. La terre a presque les caractéristiques même d'une personne. Apocalypse 12, à partir du verset 16. Oui, juste le verset 16, my prophète, s'il vous plaît. La Bible dit, mais la terre s'est courue la femme. Ouf! Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Prophète Azaph, amen, merci. Prophète Azaph, je ne sais pas
Si comment vous avez constaté que quand on lit ce récit, la terre n'a pas reçu d'instruction en rapport avec la femme. Yeah. On se rend compte que la terre peut avoir donc des droits d'action. Mm-hmm. Peut agir conformément à une certaine volonté personnelle. On nous dit la terre s'est courue la femme. Rekento pladigiva. Elle ouvrit sa bouche pour engloutir le fleuve que le dragon a lancé. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu commences par comprendre ces vérités-là, je ne vois même pas quel bangando qui peut réussir à t'atteindre. Avec la conscience de ces choses, la terre a la possibilité de te secourir. C'est des choses, prophète Azaf. Ce sont des messages qu'on nous envoie dans notre subconscient. Parce qu'on veut nous ramener là-bas. Lorsque nous regardons les films des sorcières et toutes ces choses-là, en fait, on voit la terre qui agit. Yeah. Mais nous, enfants de Dieu, nous sommes Seigneur, aide-nous. La conscience de notre environnement. Je prie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que la terre secoure ta famille dans ses difficultés au nom suprême de Jésus. Que la terre se mette à travailler et à secourir quiconque de ta famille sera en difficulté. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la force qui voudra s'en prendre à ta famille, je prie au nom suprême de Jésus, que la terre la secoure au nom de Jésus. Et ça, bien-aimé, ça n'a rien de surnaturel, c'est le naturel. C'est cette terre sur laquelle nous marchons là. Chacun peut en faire ce qu'il veut. Tout dépend de comment il travaille avec ça. Je vais courir. On sait que la terre peut agir. On sait que la terre a une bouche. Prophète Azaf, j'ai envie de donner encore quelques lumières sur la terre. Après, je vais passer. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Bon, vous pourrez le voir, ça, on ne va pas lire. Jérémie 22, verset 30. Il dit, terre, inscris cet homme comme devant être privé d'enfants et toutes ces choses. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un qu'en plus de ça, la terre possède un registre. On lui dit, inscris. Ça veut dire dans ton registre là. Inscris le nom du gars là. Inscris le nom. La terre sur laquelle nous marchons, avec laquelle nous jouons là. Elle a un registre à l'intérieur duquel il y a des noms des gens et il y a les situations des gens. Et je décrète au nom suprême de Jésus, là où la terre a reçu des instructions et a inscrit ton nom pour des situations de malheur, j'ordonne au nom suprême de Jésus que cela soit supprimé par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Recleto nabla apros kelegeria siva. Cet environnement avec lequel on joue, cette terre sur laquelle la seule chose qu'on sait faire, c'est marcher et faire des routes et construire des maisons, a un registre qui enregistre les choses. Même quand tu pêches, assurément la terre note. Vous savez, quand vous avez conscience de certaines choses, il y a des choses que vous arrêtez de faire. Même quand tu sais que là, il n'y a pas que Dieu qui te voit. J'ai envie de dire à quelqu'un, il n'y a pas que Dieu qui te voit quand tu pêches. La terre te voit. My God. La terre te voit. Et les planches ou le mur de ta maison te voient. Yeah. Même les murs peuvent parler. Même la terre parle. La terre a un registre. Même les murs là peuvent parler, mon ami. Prophète Azaf, j'ai ce témoignage, je lisais un témoignage quelque part, d'un témoignage du prophète Hubert Angel, lui disait un témoignage que le pasteur Christ, un témoignage du pasteur Christ. Le pasteur Christ était dans son bureau, my prophète. Il était dans son bureau et il écrivait. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait, peut-être il écrivait, je pense. Et là, le Seigneur Jésus va décider de lui rendre visite. Dans son bureau.
Et le Seigneur était encore dans les couloirs en train de venir. Là, il n'est pas venu de manière spectaculaire à traverser les murs. Le Seigneur était encore dans les couloirs. Le témoignage raconte que ce sont les murs qui ont annoncé au pasteur Christ que le Seigneur était dans les couloirs et qu'il était en train d'arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu fais ton woro-woro dans le secret là, et que tu crois qu'on ne te voit pas là, prophète Asaf, une autre dimension du prophétique qui nous donne de voir avec les détails, c'est avoir ce genre de notion. Et quand j'arrive dans la maison de quelqu'un, je n'ai qu'à communiquer avec ta maison et savoir tout ce que tu fais dedans. Et je peux te prophétiser avec précision tout ce que tu y fais. Come on. Exactly. Sans même que Dieu me parle. Ça n'a rien de surnaturel, c'est naturel. Voilà pourquoi parfois, quand on consulte les gens chez les Ngangas, on demande souvent quelque chose qui vous appartient. C'est juste pour communiquer aussi avec. Oh my God. Initiation au surnaturel. Oh my God, l'heure. Initiation au surnaturel. La conscience de son environnement. Et la dernière chose que j'aimerais lire comme ça sur la terre, et puis je passe. C'est que la terre a des lois. La terre a des lois. Vous savez, on nous parle beaucoup des lois du ciel. Connais-tu les lois du ciel? Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, même la terre a des lois. Nous sommes beaucoup plus conscients des lois du ciel, même pas de ceux de la terre. Prophète, est-ce que je peux lire avec vous, s'il vous plaît? Alors, Jérémie 33, le verset 25, la partie B. Jérémie 33, verset 25. Mm-hmm. Jérémie 33 à partir du verset 25. La Bible dit. Je n'ai pas de partie B. Bon, mais c'est juste la deuxième partie en fait. La deuxième partie. Je veux juste que vous lisiez la deuxième. J'ai imposé mes lois au ciel et à la terre. Yes, j'ai imposé mes lois au ciel et à la terre. Donc il y a des lois divines qui sont propres au ciel. Et il y a des lois divines qui sont propres à la terre. Connaître les lois du ciel au Père, c'est bien. Mais connaître les lois du ciel et de la terre, c'est mieux. Et tout ceci, je voudrais dire à quelqu'un, n'a rien de surnaturel. C'est naturel. J'aimerais que nous comprenions ces choses. De sorte que, prophète Asaph, tu as un endroit, tu es là juste comme ça. La terre t'annonce qu'il y a quelqu'un ailleurs qui est en train de vouloir l'utiliser pour faire des choses contre toi. Que nous arrivions à ces choses. Que nous arrivions à ces dimensions-là. Entoria supelidegai. Et j'aimerais dire à quelqu'un, un autre élément de notre environnement, auquel nous devons faire beaucoup attention, c'est de l'eau. Parce que l'eau aussi est une entité. Et le prophète Asaph, je crois, a déjà même intervenu dessus, sur les mystères de l'eau. Je me rappelle sur un live sur Facebook. Je passais par là. L'eau est une entité à part entière. L'eau avec laquelle nous jouons, que nous prenons seulement pour boire. L'eau est une entité. L'eau est une entité. L'eau aussi peut recevoir des instructions. L'eau peut également recevoir des instructions. Voilà pourquoi parfois quand on demande de prendre une bouteille d'eau et puis on déclare dessus, en fait on parle à l'eau. Et puis quand tu consommes cette eau-là, l'eau exécute exactement ce qu'on lui a demandé de faire.
Parce que l'eau peut recevoir des instructions, l'eau peut entendre et l'eau peut agir. Regardez, on dit que les eaux produisent. Dieu parle à l'eau, il demande à l'eau de produire. Parce que l'eau peut également agir. L'eau peut également se mouvoir. L'eau peut recevoir des instructions. Mais nous, nous nous servons seulement de l'eau pour nous laver. Je pense même que le prophète Azaf disait ça aussi. Qu'on se sert juste de l'eau pour se laver. Avec l'eau, on peut faire tellement de choses. J'ai même envie de dire à quelqu'un, si quelqu'un est capable de maîtriser l'eau, alors il est déjà bien parti pour maîtriser sérieusement la terre. Yeah. Parce que tenez-vous bien, l'eau est le principal constituant de la terre. L'eau fait partie de la matière première avec laquelle Dieu a créé la terre. Lorsque nous lisons dans 2 Pierre 3:5, prophète, est-ce que nous pouvons lire ça ensemble, s'il vous plaît? Voilà. Et je crois même que c'est ce que le prophète Azara avant était en train d'expliquer aussi lors de son passage. Délivré, délivatoge. Dans 3:5, s'il vous plaît. Sorry. De Pierre 3 à partir du verset 5. Oui. La Bible dit, il oublie volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. Yes. La terre a été séparée de l'eau et formée par l'eau. A été séparée de l'eau. Comme si la terre était une partie de l'eau. Regardez ce que ma version dit, my prophet. Ma version dit, ceux qui raisonnent ainsi sont de mauvaise foi. En effet, ils font semblant d'ignorer qu'autrefois, Dieu a parlé pour appeler les cieux et la terre à l'existence. La terre émergea de l'eau et l'eau est son élément principal. Quand quelqu'un veut jouer avec toi, quand il prend la terre, il joue, prends l'eau. Pourquoi Dieu a formé, regardez, d'où vient toute l'eau qui est dans le corps de l'homme? Pourtant, la Bible nous relate juste que Dieu a formé le corps de l'homme sur la base de la poussière de la terre. Mais d'où vient le fait que l'homme soit constitué à plus de 70% d'eau? Parce que l'eau est le principal élément de la terre. My God. Si je peux manier de l'eau, je peux manier le corps de n'importe quel individu. Maître de l'eau. Avant, prophète. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. On déclare sous prade guerrier qui va haginta. Eli rakado shagan déclare si va haginto. Amen. Haria leginta la prade guerrier. Nous sommes à l'initiation au surnaturel. Là, nous sommes juste à la conscience de notre environnement. La conscience de notre environnement. Bien, mais quand un sorcier veut jouer avec toi, rentre dans la dimension de la terre. Là, tu vas petit à petit avec lui. Tu joues d'abord avec la terre, tu parles à la terre. Et puis quand tu sens que ça devient sérieux, prends de l'eau, monte d'un cran. C'est-à-dire quand tu prends de l'eau, la terre avec laquelle il joue là, sans toucher la terre, tu peux lui-même l'affecter parce que tu as entre tes mains le principal constituant de ce qu'il a entre ses mains. Onde sadegevo chabre de veria sato. Cette entité-là. Kelibra togo zegeriato. L'eau est une entité et l'élément principal, le constituant principal de la terre. Comprenons ces choses. Et tout ceci n'a rien de surnaturel. C'est naturel, regardez, ce sont des lois naturelles établies. C'est relatif aux êtres et aux choses qui sont dans l'univers. Yes, Denis Claude a dit ça va faire mal en 2022. Yes.
prophète Azaf, où nous sommes en train d'aller, ce sera dangereusement glorieux. Yeah. L'église va rentrer dans une dimension de combat spirituel, le monde des ténèbres à chaud. Ou quand on va rentrer dans la dimension de la délivrance des terres, quand on va jouer avec de l'eau. Voilà pourquoi, prophète Azaf, remarquez qu'on dit souvent, quand on parle de certaines terres, que non, cette terre est enfermée. Et généralement, remarquez, on dit cette terre est enfermée dans les eaux. Or, c'est le monde des eaux qui contrôle la terre là. En plus de l'eau, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur l'eau. Déjà que l'heure est avancée, je vais courir. Une autre entité qui se trouve dans ton environnement dont tu dois avoir conscience, ce sont les arbres. Les arbres là, ce sont des entités. La forêt, si tu veux. La forêt est une entité. Prophète Azaf, est-ce qu'on peut lire ensemble 2 Samuel 18, verset 8, s'il te plaît. 2 Samuel 18, verset 8, je suis en train de terminer. 2 Samuel chapitre 18, le verset 8, s'il vous plaît. Parfois, on regarde, prophète Azaf, dans ces mythologies-là, ils disent, il y a, vous voyez, eux, ils ont même dit les génies, il y a le génie de la forêt, le génie de la terre. Dans certaines mythologies, on parle même de la terre aussi comme étant une entité. Yeah. Et ils appellent la terre Gaïa. L'entité Gaïa. Et on parle de l'eau et celui qui y est également. On parle de l'entité aussi de... Ah, j'en viens. Finissons sur la forêt. La Bible dit, la bataille s'étendit à toute la région. Et ceux qui perdirent la vie dans la forêt furent plus nombreux que ceux qui moururent au combat. Oh my God. Est-ce que je peux avoir une version Louis II, my prophet? Il me semble que cette version dilue légèrement le sens et la profondeur de ça, my prophète, s'il vous plaît. Ok, 2 Samuel 18, à partir du verset 8, dans la version 8 secondes, la Bible dit, le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora. Plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Prophète, est-ce que vous voyez bien la différence qu'on fait? Parce que dans l'autre version que vous avez lue, on dit ils sont juste morts dans la forêt. Ça peut être l'épée qui les a tués dans la forêt. Mais ici, on précise bien que la forêt en a dévoré plus que l'épée. Parce que même dans le combat spirituel, la forêt peut intervenir. La forêt, et quand on parle de la forêt, c'est l'ensemble des arbres. Come on. Avance, mon frère. Donc, même les arbres avec lesquels nous jouons là. Parfois, c'est sûr, quand on a les abats, ils laissent juste comme ça. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu peux travailler avec les arbres de manière à ce que quiconque te cherche des choses bizarres, la forêt le dévore. Et même, prophète Azaf, le prophète David, non, David c'était un homme hautement illuminé. Il va dire dans 1 Chronique 16, 33, il va dire que les arbres célèbrent l'Éternel, quelque chose du genre. Il demande aux arbres de célébrer. Il demande aux arbres de louer. On a juste l'impression que ce sont des personnifications. Non, c'est bien plus que là. Jésus même lui-même va dire aux pharisiens, regarde, si vous demandez même à ceux-là de ces terres, les pierres là vont crier. Même Jésus avait la conscience de son environnement. Imaginez la dimension de conscience avec laquelle Jésus marchait. Il dit, si même si ceux-là s'étaisent, Les pierres. Quelqu'un m'a dit, on peut aussi travailler avec les génies de la forêt. Non, je ne parle pas de travailler avec les génies de la forêt. Je parle de la forêt comme étant une entité qui fait partie de la création. Je ne parle pas de ces génies, voilà. Rekle suva haginta. Et on peut
commander de manière à ce que l'entité de la forêt travaille en notre faveur. C'était un rude combat entre David et son fils. Son fils qui a décidé de prendre la royauté de son père. Rekla Suvahaginta. Et même là, prophète Asaph, voilà, vous trouvez, c'est un arbre qu'il a recueilli, hein, qu'il a attrapé par les cheveux. Il est resté suspendu jusqu'à ce que ce monsieur est venu lui trancher la tête. Bien-aimé, et tout ceci n'a rien de surnaturel. C'est le naturel originel. Et on dit, la nature, elle est tellement dynamique et vivante, tous ces êtres-là sont tellement dynamiques et vivants qu'ils soupirent. Ils sont dans une profonde nostalgie de revenir à ce qui était originellement. D'où ils attendent la révélation, ta révélation et ma révélation. La nature entière attend la délivrance de la corruption et de la vanité à laquelle elle a été soumise. Breaking, Talabra, Delegate. Merci, Psaume 98:8, que les fleuves battent des mains. Orekla, Soble de Guerria. Bali, Guyamando, Rasu, Vahagintosh. La conscience de son environnement. Ou quand tu es à un certain endroit, quand le danger est en train de devenir, l'arbre t'annonce. L'arbre t'annonce que, attention, il y a tel qui sont en train de venir contre toi. Et librato jama. Et je veux comme ça aller rapidement, nous le savons. Le ciel également est une entité. Même dans Apocalypse, la Bible parle du ciel et de la terre. On dit qu'ils vont fuir devant la face de l'Éternel. Parce que même le ciel est une entité. Même le ciel est une entité. Cette espèce de firmament que Dieu a fait pour séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, c'est une entité. Voilà pourquoi parfois le Seigneur va déclarer, va dire, je prends le ciel et la terre à témoin. Je prends le ciel et la terre à témoin. Et ce que nous, c'est des choses que nous appelons souvent surnaturelles qui pourtant sont naturelles. Je termine par là, my prophète. D'autres entités dont nous voyons la manifestation naturelle, et c'est vraiment naturel. Et retenons ceci, le jour est une entité, la nuit également est une entité. Ok. Le jour est une entité, et la nuit également est une entité. Et j'ai même envie de dire à quelqu'un, et les jours même communiquent entre eux. Yeah. Le jour, prophète Asaph, est-ce que je peux lire avec vous Jérémie 33, le verset 20 et le verset 25, s'il vous plaît? Parce que même le jour dans Genèse 1, on dit, il appela Dieu, dit que la lumière brille et la lumière a brillé. On dit, après, il appela la lumière jour et il appela les ténèbres qui étaient là nuit. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Le jour est une entité. Prophète Asaph, est-ce qu'on peut aller ensemble, s'il vous plaît? Jérémie 33, à partir du verset 9. 20, s'il vous plaît, 20 et 25. Jérémie 33, 20 et 25. Verset 20, la Bible dit, oui. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Yes. Je vais vous rompre l'obligation que j'ai imposée au jour et à la nuit. Prophète Asaph, j'aime cette version. Est-ce que vous pouvez vous arrêter? Pouvez-vous rompre l'obligation que j'ai imposée? En d'autres termes, c'est que le jour et la nuit, on n'impose pas quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de volonté. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Si je t'impose, c'est que tu as la capacité de faire autre chose. Parce que j'ai envie de dire à quelqu'un, on dit le grand luminaire, le soleil pour présider au jour. En fait, à chaque fois que tu vois le soleil manifeste, sache qu'il y a la présence maintenant d'une entité qu'on appelle jour, qui est là pour présider durant cette période de temps. Et au cours de laquelle il y a certains astres qui se manifestent, notamment le soleil. Et que les jours ont la capacité de communiquer entre eux. Il est dit,
Un jour, on instruit un autre. Une nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Prophète Asaph, le mot pour instruire, c'est le mot hébreu Omer, qui veut dire parole, qui veut dire langage, qui veut dire discours, qui veut dire résolution. En fait, c'est le même mot employé dans Job 22-28 où on dit « À tes résolutions répondra le succès. » Et ce mot veut dire parole. En fait, on dit « Un jour communique des paroles un autre jour. » Et il va dire par la suite, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des voix que l'on peut entendre. Les jours communiquent entre eux, mais dans leur langage, il y a bien des voix, il y a bien des sons qui sont émis. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut entendre ça. Maintenant, la question que j'ai envie de poser pour Fête Asaph, celui qui parle de ça, il sait ça comment? Ah. Parce qu'il a entendu, parce qu'il est possible d'entendre ça. Il va même dire que l'écho de leur voix parcourt toute la terre. Et on nous présente souvent des jours et des nuits qui parlent. Même quand on lit Job 3, il dit « Maudit soit la nuit qui a dit un enfant mâle est conçu. » Parce qu'en réalité, à chaque fois qu'un être vient au monde, si c'est pendant le jour annonce ta venue. L'entité jour annonce ta venue. Si c'est pendant la nuit, l'entité nuit annonce ta venue. Et tout ceci, c'est quelque chose de ça, tout à voir avec le naturel. Dieu a fait une alliance avec le jour et la nuit qui sont des entités. À qui on peut et dans lesquels, parce que prophète Asaph, vous faites informatique et vous êtes bien placé, comment pour le savoir. Si on parle de transmission d'informations, il faudrait d'abord qu'il y ait stockage d'informations pour ensuite les transmettre. Et il faut que celui qui reçoit ces informations ait de quoi stocker ces informations. Parce que dans les jours, il y a également la capacité de stockage. Quelles sont les informations qui ont été stockées dans les jours et dans la nuit en rapport avec ta famille? En rapport avec ton mariage, en rapport avec tes finances. L'univers dans lequel nous évoluons est un univers compliqué, parce que nous-mêmes, nous sommes des êtres compliqués également. Doria suvade in tapla de Georgia. My God. Ainsi, j'atterris par là pour aujourd'hui. Retenons ceci, l'homme est une entité, l'homme est un être qui vit et évolue au travers et au milieu des êtres et entouré des êtres. Marche avec cette conscience-là partout où tu es et tu commenceras à constater des phénomènes autour de ta personne. Parce que même quand on demande aux personnes de faire des prières, des proclamations, c'est parce que lorsque nous proclamons, nous stockons des informations. Et les jours communiquent entre eux, le précédent donne des informations au suivant. À chaque fois qu'il y a transition, si tu peux travailler ta dimension intérieure et ton esprit, tu peux arriver à percevoir tout cela. Ainsi, j'aimerais juste que de là où tu es, tu commences par élever ta voix et bénir le Seigneur alors que je rends l'antenne au prophète Asaph. Prophète Asaph, vous avez l'antenne et que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux juste élever ta voix de là où tu es et bénir le Seigneur? Rekeso d'église. Andeli ragla suvahaginto. Eli rakado shalabrai de gerias kivahaginto. Eli kande se rekletoria savade shagadega. Ento reglin takabadende rasova. Eria seglen to rodegim pa aginto go reke sevadej. Eria kadush agadegentos. Eli amando rakatoluba.